Good morning, allez, Iden et Tusra, aujourd'hui, le Nishmat, François Vachy Ben Chana, Janine Ruth, Bat Fortune, Mazal Fritna, Claude Shlomo Ben Shalom, Mishaya Ben Linda et Moshe Ben Sol Vanish. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternel. Nous étudions la Sechet Pea, Perek He, Mishnah Bet, Shibolet Shebakatsir, Verosha, Magia, Lakama. Im Nikzeret, Imakama, Arehi Shelba Labait, Veimlav, Arehi Shelanim. Shibolet shel leket shenitarva begadish me'aser shibolet achat venonten lo amar beliezer v'chiyecha ani azeh machlif davar shelo ba birshuto ela mezakeh et ani bechol agadish u'me'aser shibolet achat venonten lo. On a deux voire trois sujets dans notre Mishnah. Première partie, on va parler de shichchat kama, et deuxième partie, on va parler du leket qui se mélange. Shichchat Kama, d'abord, pour commencer, c'est quoi? On a déjà évoqué, il y aura plus de détails ensuite, sur les différents dons qu'il faut faire pour les pauvres. On a parlé, jusqu'à maintenant, on a parlé bien sûr de PA, c'est le coin qu'on laisse dans le champ. Ensuite, on a parlé de l'équette. Lorsque je ramasse mon blé, il y en a un, deux qui me tombent, je le laisse. Pour les pauvres, j'ai plus le droit de le ramasser, parce que c'est tombé pendant que j'ai ramassé. Et maintenant, et on reviendra sur les détails plus, on en rajoutera plusieurs éléments pour mieux comprendre exactement. Maintenant, on va parler de shichecha. Shichecha, le fait d'oublier. Alors, oublier, ça se présente sous deux manières. Il y a ce qu'on appelle shichechat kama, lorsque j'oublie un népi, qui est encore planté au sol. Et il y a shichechat haomer, lorsque je ramasse ensuite toutes les gerbes, et j'en laisse une par terre. On reparlera de ça plus tard, sur la deuxième. Pour le moment, on va parler de la shichechat kama. Kama, c'est-à-dire lorsqu'elle est debout. La shichecha, l'oubli de ce qui est debout, de l'épi qui est encore planté. Le principe, il est simple. Il est que lorsque je fauche mon blé, si je suis passé, j'ai fauché, et j'ai sauté un épi ou deux épis, je devrais les laisser pour les pauvres. Je les laisse planter au sol, le pauvre viendra derrière et les cueillera lui-même. Ouais. On en reparlera. Bien sûr, on évoquera tous les détails de ça dans les prochaines Mishnayot. Mais on va évoquer maintenant, pour le moment, un élément, un paramètre important. La Mishnah m'enseigne, je ne sais pas pourquoi c'est rentré ici spécialement, en plein milieu. D'accord, je ne sais pas, c'était pas, disons, si moi j'aurais organisé la Mishnah, j'aurais parlé de cette Mishnah beaucoup plus tard. Mais bon, je fais avec ce qu'on a. On a maintenant un épi qui est planté, et j'ai fauché mon blé, et j'en ai sauté un. La Mishnah vient me dit, Shibolet Shebakatsir, un épi que j'ai laissé planter, pendant que j'étais en train de faucher, en train de cueillir mon blé, de faucher le blé. Mais quoi? Verosha magia lakama. Mais sa tête atteint le prochain épi. Soit j'ai fauché mon blé, et je m'apprête à continuer, je vois que j'ai laissé un épi derrière, mais cet épi-là, concrètement, je vous dis directement la solution exacte, j'ai encore la possibilité de l'attraper avec le prochain, je vous ai dit, excusez-moi, je reviens un petit peu en arrière. Lorsqu'on cueille le blé, alors l'usage, il est de saisir, on saisit une botte de blé, comme ça, plusieurs blé, et avec la faux, on fauche, et on cueille, on arrache tout en même temps, et puis voilà, j'ai récupéré une botte de blé. Et il y a, alors maintenant, j'imagine que c'est tout de suite après, on les attache aussi ensemble, je pense qu'on ne va pas laisser au sol, après, ça va être trop compliqué, ensuite, j'ai pas. Et donc, la Mishnah me dit, sache que maintenant, tu as sauté un. Si celui que tu as sauté, si tu le couches, tu le rapproches de la prochaine botte, tu peux encore l'attraper avec et le faucher en même temps. Donc, l'épi que tu as laissé planter, il est encore cueillable avec une prochaine botte. C'est pas encore une shichecha. Ça devient une shichecha que si tu l'as laissé tout seul, et puis maintenant, c'est un épi isolé qui n'a plus de rapport avec tout ce qui est autour de lui. Tu l'as laissé, tu laisses pour les pauvres. Mais si il est encore cueillable, fauchable, avec les autres prochains épis de blé, tu peux finalement tous les reprendre encore, dans le même lieu avec, et couper un même temps. Alors il n'est pas encore considéré comme de la shichecha. On fait ça dans les mots. Shibolet shebakatsir, un épi planté, qui est pendant que tu cueilles, tu fauches ton blé. Verosha magia lakama, et sa tête arrive à la prochaine, au prochain épi. Tu peux encore le coucher, et la tête de l'épi de blé va toucher le prochain épi. Eh bien, im nekseret im akama, s'il est encore cueillable
avec le prochain épi, Arei shel ba'al ha-bayit, alors cet épi que j'ai oublié, il est encore au propriétaire du champ, il n'est pas encore devenu shechera. Par contre, veim lav, mais sinon, il est plus cueillable avec le prochain, tu dois l'arracher du sol indépendamment. Dans ce cas-là, Arei shel ha-niim, ça appartient au pauvre. D'accord? Ça y est, c'est trop tard, c'est devenu une shechera, tu dois laisser, tu ne peux plus le récupérer. Peut-être c'est en ça que c'est lié avec la mission précédente, puisque on te dit qu'est-ce qui appartient encore au pauvre, qu'est-ce qui appartient à toi, je ne sais pas. Bon, je continue. Et alors là, on a parlé maintenant des épis de blé, on va parler d'autres choses complètement. Mais là, on va revenir en arrière sur le sujet de la prochaine Mishnah, de la Mishnah précédente plutôt. Shibolet shel leket. Un épi de leket, shenit arva bagadish, qui s'est mélangé avec le tas de blé. Soit, j'ai cueilli mon blé, j'ai fauché mon blé, je l'ai ramassé. Ce qui appartenait au pauvre, ce qui est tombé, je l'ai laissé au sol. Aucun problème, tout va très bien. Ce qui se passe, c'est qu'après, il y a eu un problème. C'est que, pour une quelconque raison, la faute de pas de chance, il y a eu un épi de blé, l'épi que j'ai laissé au sol qui appartenait au pauvre, il s'est mélangé dans tout mon tas de blé. Alors, je ne vais pas traduire la Mishnah tout de suite. Je vais vous expliquer d'abord les deux problématiques qu'on a. Il y a deux problématiques, et ce qui va faire les avis, en fait, d'une part de Tanakama, et après, le problème qui va être soulevé ensuite par Rabbi Eliezer. La problématique qu'on a, c'est que maintenant, si j'ai un tas de blé qui est à moi, et il y a un épi ou une germe, ou peu importe, des pauvres qui vont se mélanger maintenant dans tout le tas, je ne sais pas où il est. Alors, en théorie d'abord, il n'y a rien de très grave. Toi, tu sais très bien que tu as un tas, moins un épi de blé. Prends un épi, une germe, prends-la et donne aux pauvres, et tu as résolu le problème. En théorie, si la vie n'était pas compliquée, c'est ce que t'aurais fallu, c'est ce que j'aurais fallu faire. Imaginez, j'ai ma sacoche d'argent, j'ai plein de pièces de 10 shekels, et vous avez une pièce de 10 shekels à vous qui tombe dans ma sacoche, rien de grave, tu prends une autre pièce, tu lui donnes, et puis on a fini le problème. Quel est le problème? Donc en théorie, c'est la même chose. Une gerbe du pauvre qui se mélange dans mon tas de blé, tu ressors une gerbe, tu donnes au pauvre, tu dis, bon, je sais pas si c'est la tienne, si c'est la mienne, c'est pas grave, prends une gerbe, et voilà, on a résolu le problème. Sauf qu'il y a un grand problème. Il y a deux problèmes. Premier problème d'abord, on a un problème de tournoi de maçante. C'est que la gerbe de blé du pauvre, elle est dispensée de tournoi de maçante. Moi, mon tas de blé, il est imposable de tournoi de maçante. Des différents prélèvements qu'il fait ensuite pour le Cohen et pour le Lévi, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Je ne peux pas sortir une gerbe et lui donner, parce que si je lui sors la sienne, Inematov ou Manaïm, c'est extra, tu as récupéré la sienne. Seulement, peut-être c'est pas la sienne, donc c'est la tienne. Si c'est la tienne, il faut que tu prélèves. Donc je ne dis pas, prélève, bravo, exactement. Donc on a une super solution de prélever, mais le problème c'est que d'où tu vas prélever? Tu vas prendre dans ce tas, tu vas prendre du blé de ce tas-là pour prélever. Mais peut-être qu'en fait, imaginez que ça c'est pas la sienne, donc c'est la mienne, elle est imposable de tourner dans ça. Et par la faute à pas de chance de nouveau, je retire exactement celle du pauvre. Et il s'avère que maintenant, elle est dispensée de tromboton maçon, donc je ne peux pas prélever la tromboton maçon de lui. Donc en fait, j'arrive directement à la conclusion, on a un bar qui explique, et il va par à coup en fait, mais je vous donne directement la solution. L'idée, elle est très très simple. Si tu veux donner tout de suite aux pauvres, eh ben, tu sors trois, au lieu de un épi, tu sors trois épis de blé. Et tu prends un épi que tu vas donner aux pauvres. Tu dis, attention, si lui, c'est celui du pauvre, prends-le. Et dans ce cas-là, parmi les deux épis qui me restent, je prélève la tourmoto masrot de lui sur lui, ou de lui sur lui. Dans le doute, mais je prélèverai deux fois et j'ai résolu le problème. Si toutefois, ce que j'ai donné aux pauvres, en fait, d'accord, si la gerbe que j'ai donnée aux pauvres, en réalité, c'est une gerbe qui était à moi, alors dans ce cas-là, j'ai pris de nouveau deux gerbes de blé, et je dis, écoute, soit, et parmi les deux qui restent, ouais, par élimination, on a trois. Quand tu prends trois, forcément, il y en a deux qui sont pas celle du pauvre et une qui peut éventuellement être celle du pauvre. Donc en fait, à chaque fois, le principe est simple. Tu devras prélever la tourmoto maasot parmi les deux épis qui te restent. Tu prends sur un épi, tu prélèves la tourmoto maasot sur les deux autres. Sur un épi, tu prends, et sur l'autre épi, tu prélèves une deuxième fois la tourmoto maasot sur les deux autres. Et comme ça, c'est sûr que dans toutes les configurations possibles, c'est sûr que le gerbe que tu lui as donné, il n'y a plus de tourmoto maasot. Soit parce que c'est initialement la vraie gerbe du pauvre,
Et soit au pire, c'est pas, si c'est pas la gerbe du pauvre, et bien dans ce cas-là, c'était une à toi, mais tu vas forcément prélever la tourbe de Maasrot, parce que soit cette gerbe-là, c'est celle qui était du pauvre, donc tu as prélevé la tourbe de Maasrot de l'autre, soit c'est l'autre qui est du pauvre, hein, ainsi de suite, et puis dans ce cas-là, c'est sûr que tu es prélevé. Ça, c'est déjà ce que Chachamim disent. Pour le moment, c'est super, tout va très très bien, sauf qu'on a une deuxième problématique. Mais ce que je vais d'abord faire, c'est que je vais d'abord traduire cette première partie de la Mishnah, cette deuxième partie de la Mishnah maintenant, de Chachamim. Et après, avant d'expliquer Rabbi Eliezer, on va soulever la deuxième problématique. Donc d'abord, je traduis. Shibolet shel leket shen tarva bagadish. On a un épi de leket qui s'est mélangé bagadish dans le tas de blé. Eh bien, maaser shibolet achat venotenlo. La Mishnah me donne la solution finale sans me dire comment je fais exactement. Tu prélèves le tourmento maasrot sur une shibolet, sur un épi, et tu lui donnes. La Mishnah, on dirait qu'elle me donne même. Que tu prends un épi, tu prélèves à l'intérieur d'elle et tu lui donnes. Mais c'est pas exact, ça se passe pas exactement comme ça. Donc tu prélèves une, comme on a dit, avec en fait deux épis. Si vous avez la patience de lire tout le Barthénora, il vous expliquera ça clairement. Si jamais vous lisez, je vous explique qu'est-ce qu'il va faire le Barthénora. D'abord, il va te dire que tu apportes un épi de blé, tu apportes deux épis de blé et tu prélèves un, soit l'un, soit l'autre. Mais après, le Yerushalmi va poser la question. En fait, non, il y a un problème, que peut-être que tu t'es planté. Que celle que tu prélèves, c'est le leket, et tu vas trouver avec un problème, et que tu n'as rien prélevé. Et donc, dans ça, il faudra amener deux épis supplémentaires. D'accord? C'est tout le partenariat qui vous explique ça dans les détails. Donc, pour le moment, on a compris jusqu'à là, qu'est-ce qui se passe. D'accord? Bien expliqué, Chachamim Baruch Hashem. Cependant, il y a un nouveau problème. C'est que le leket, je n'ai pas le droit de changer le leket du pauvre tant que je ne l'ai pas donné au pauvre. Je m'explique. Imaginez que, très bien, on va prendre un cas classique. J'ai cueilli tout mon blé, j'ai du leket qui est tombé par terre, et moi, hein, j'ai un intérêt de ramasser tout de suite ce leket, de le ramasser moi-même. J'ai besoin, hein, parce que je dois mettre dedans des produits, des engrais ou des trucs. Je dois absolument ramasser maintenant ce leket, le ramasser. Et pour une quelconque raison, je ne pourrais pas le donner aux pauvres ensuite, donc j'ai envie de donner autre chose aux pauvres. J'ai envie finalement de changer ce qu'il y a aux pauvres, leur donner autre chose, même leur donner deux fois plus, même comme ça, je suis très généreux. Ouais, je veux ramasser ce qui revient aux pauvres, le prendre moi-même pour moi, et leur donner mieux. J'ai une quelconque raison pourquoi le faire, le pauvre n'a que à gagner hein, si je fais ça. Je lui prends un kilo, je vais lui donner deux kilos de meilleure qualité, ça c'est de la qualité médiocre, et je vais lui donner une super qualité. J'ai pas le droit. Ce qui revient au pauvre, c'est au pauvre. Tant que tu ne l'as pas donné au pauvre, tu n'as pas le droit de prendre et de le donner au pauvre. Et de changer avec le pauvre. Ça lui appartient à lui. Il faudrait avoir en théorie l'accord de tous les pauvres du monde. C'est quelque chose qui est impossible. Donc, tu es bloqué. Ce qui revient au pauvre, tu es obligé de le donner lui au pauvre. Si tu veux maintenant, tu as une solution très simple. Prends n'importe quel pauvre et dis-lui, écoute-moi, je veux te donner ce qui est par terre. Tu le prends et après, tu me le redonnes et je te le change. Alors là, il n'y a aucun problème, je peux maintenant le saisir, je peux le donner à un pauvre, et une fois que le pauvre il a reçu, donc j'ai accompli ma mitzvah de donner au pauvre, je peux dire maintenant au pauvre, viens s'il te plaît, donne-moi ce blé, et puis moi je te donne deux fois mieux, et le pauvre c'est sûr qu'il va être d'accord, il va accepter, il n'y a aucun problème. Mais tant que je n'ai pas donné au pauvre, je ne peux pas moi décider de changer les épis imposables de l'équet par d'autres épis, même si c'est de la meilleure qualité, parce qu'il faut, ce qui est l'équet, tu dois le donner au pauvre. D'où la problématique de notre Mishnah. T'as l'épi des pauvres, la germe du pauvre, la lequette qui s'est mélangée dans ton tas. Qu'est-ce que tu me proposes? Tu sors une autre et tu le donnes au pauvre. Et si c'est pas celle du pauvre, il s'avère que t'es encore. Si c'est pas la germe de lequette que tu vas donner maintenant au pauvre, il s'avère que tu as gardé la germe de lequette dans ton tas. T'as pas le droit. T'es obligé de donner ce lequette-là au pauvre. C'est le problème théorique. Donc la solution qu'on aurait en théorie, et qu'on va avoir même en pratique, on va devoir arriver à ça. La solution idéale, ça aurait été de prendre tout le tas de blé. Tu dis au pauvre, je te donne tout le tas de blé pour que tu acquières le leket qui est à l'intérieur de ça, qui te revient de droit. Et maintenant, une fois que toi tu as acquis le leket, alors tu me rends maintenant le tas et je te donne un à la place. Mais tant que tu n'as pas donné tout au pauvre, il s'avère que le leket, tu ne l'as pas encore donné au pauvre. Ok? Vous avez compris la problématique d'abord? Je reprends très simplement. Ce qui est au pauvre, tu es obligé de donner au pauvre, tu n'as pas le droit toi de changer par autre chose. Donc, quand tu as la germe de blé qui se mélange dans ton tas, eh bien, tu ne peux pas te mettre à changer
à donner une autre gerbe à la place de Dubois, parce que celle du pauvre va rester chez toi. Pour pouvoir la changer, il faut nécessairement que tu fasses acquérir au pauvre le tas de blé, plutôt la gerbe qui lui revient, donc forcément tout le tas, puisque tu ne sais pas où c'est, lui faire acquérir que dans tout le tas, ce qui est à lui, ça lui appartiendra, et après, tu le récupères et tu le changes pour autre chose. C'est l'unique solution que tu as. Et tout le monde est d'accord avec la problématique. Juste la solution à apporter à cela, elle sera un peu différente. Il y aura Tanakama qui va me dire une chose, et Rabbi Eliezer qui va me dire autre chose. Tanakama, il va dire, ben, il n'y a aucun problème. Chachamim ont la possibilité de décréter que dans un cas pareil, tu acquiers pour le pauvre, tout simplement. Je peux, moi, décider d'acquérir pour le pauvre, en théorie. Alors là, ça va nous rapporter dans une Mishnah qu'on avait vue dans le Perek Dalet, je crois, une marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim, parce que j'ai la capacité d'acquérir moi-même pour le pauvre. Vous vous rappelez que si je veux, je peux devenir moi-même pauvre et me défaire de tous mes biens, puis acquérir pour le pauvre. On avait comme ça, est-ce que j'ai la possibilité de faire un acte d'acquisition pour le pauvre? On avait une marque loquette. Chachamim disait que je ne peux pas faire un acte d'acquisition pour le pauvre, et Rabbi Eliezer me dit, oui, je peux faire un acte d'acquisition pour le pauvre. D'accord? Et donc, selon ce principe, maintenant, maintenant, on a Rabbi Eliezer qui me dit, en théorie, il n'y a aucun problème, tu acquiers directement pour le pauvre. Donc moi, le tas de blé avec la gerbe du blé, avec la gerbe du pauvre, avec le léquette du pauvre, il est en ce moment dans mon champ, je dis bon, j'acquiers pour moi, je fais un acte d'acquisition de la gerbe là où elle est, pour mon ami le pauvre Réhouven, et que lui il acquiert la gerbe, et après je change avec Réhouven. Ça c'est pour Rabbi Eliezer, la solution elle est parfaite. Pour Chachamim c'est plus délicat, parce que pour Chachamim j'ai pas la capacité moi d'acquérir pour le pauvre. Et sur ça, alors maintenant, sur ça, Chachamim, d'une part, vont dire ici que dans ce cas précis, Chachamim ont la capacité, vous savez que Chachamim, ils ont la possibilité de décréter que l'argent qui est à vous, il va m'appartenir, s'ils ont une quelconque façon de le faire, ils ont la capacité de vous défaire de tout droit sur votre bien et me le faire acquérir à moi. Asu etche no zoche ke zoche, c'est le chant de la Gemara. Efker beddin efker, si vous avez déjà entendu le principe, le beddin a la capacité de vous défaire, ouais, c'est comme de vous spolier, il y a un terme comme ça, de vous défaire de tous vos droits. Ils ont la possibilité de le faire. Bon, Hachem, que Chachamim, c'est des gens sages, et c'est pas des brutes malfaiteurs, d'accord? Donc, du coup, ils vont pas s'amuser à le faire. Mais quand il y a nécessité, ils ont qu'un problème de vous dire, ben écoutez, ce qui vous appartient, ça m'appartient à moi. Et dans ce cas-là, c'est tout. Ça ne vous appartient pas plus, ça devient ma propriété. C'est ce qu'ils ont fait, Chachamim. Dans un cas pareil, ça se mélange, Chachamim ont décrété que pour pouvoir t'aider à t'en sortir de ta situation complexe où tout s'est mélangé, Rabbi m'a dit, tu sais quoi, on te permet dans ce cas-là précis d'acquérir pour le pauvre, ça lui appartiendra. Rabbi Eliezer, lui, il n'est pas d'accord avec Rabbim, dans la mesure où il va nous dire, écoutez, on ne fait pas des cas particuliers où on va te permettre d'acquérir. Si, dans cette halakha, je te permets d'acquérir, ça s'est dit que toujours tu as le droit d'acquérir pour le pauvre. C'est ce que Rabbi Eliezer va venir faire dans la Mishnah, il va raisonner par l'absurde. Il manque une phrase d'introduction en disant, pour moi, c'est très simple, moi je peux toujours acquérir pour le pauvre. Dans ce cas-là, c'est exactement ce qu'il va faire ici. Dans ce cas-là, t'acquiers pour le pauvre, c'est tout. Mais pour vous, Chachamim, que vous n'êtes pas d'accord qu'en général, le propriétaire peut acquérir pour un pauvre spécifique, dans ce cas-là, selon vous, il fallait donner tout le tas au pauvre et récupérer ensuite tout le tas. Donc, c'est un raisonnement par l'absurde qu'il leur fait, et c'est ce qu'il leur dit, regardez. Amar Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer leur dit, Vechi echani yaze machlib davar shelo babir shuto. Comment? Vechi, mais comment? Comment? Et ani yaze, ce pauvre-là, machlif, il va remplacer davar shelo babir shuto. Il va pouvoir décider de troquer l'épi qui est en théorie à lui par un autre épi, mais c'est pas encore venu dans sa propriété. Si c'est pas venu dans la propriété d'un pauvre spécifique, et le pauvre n'a pas la possibilité de l'échanger par un autre épi. Ce qui est le leket du pauvre, il faut le donner à un pauvre quelconque, tu n'as pas le droit, toi, de le changer par autre chose. Et la mezakehani, selon vous, Chachamim, en fait, il faudra que tu donnes au pauvre tout le gadish, tout le tas de blé, ou mets un serre, shiboltachat, veshavenotanelo. Et seulement après, tu auras la capacité de changer ensuite cet épi-là par un autre épi, le faire le masser et lui donner. D'accord? Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Elictiva Bechatima Tova, avec une année Bezrat Hashem, Tavshin Pehe, pleine de Brachot et de Hatzlacha dans tout, que Bezrat Hashem, Am Israël, et enfin l'année de la Géoula tant attendue,
Bezrat Hashem, Kol Tuv Selah.